Dans cette école bastiaise, la rentrée ressemble à un matin ordinaire. Si les parents ont bien scolarisé leurs enfants, la prudence reste de mise. On reste très vigilant sur les gestes barrières à poursuivre, sur tout ce qu'on avait commencé à instituer depuis la rentrée septembre. Je pense que la meilleure solution, c'est de rester toujours vigilant. D'autres sont plus inquiets sur le respect des gestes barrières chez les plus petits. On ne peut pas arrêter les enfants de se faire les câlins, de jouer entre eux. Alors, ça sera mieux s'ils arrêtent vraiment l'école pour les enfants, pour les petits comme les maternelles. À Petra-Corbar, les 44 élèves de l'école primaire ont tous répondu présents aujourd'hui. Ici, on est rodé au bon geste. Chaque matin, une employée municipale prend la température à l'entrée de l'établissement. Pour la directrice, pas de risque supplémentaire pour ce retour des vacances de Noël. On est dans une vie de village, on va dire que les enfants se croisent déjà régulièrement. Il y a effectivement eu peut-être plus de brassage que d'habitude. Mais nous, ce matin, j'ai fait un rappel et nous mettons en place les mesures barrières et de précaution habituelles, on va dire renforcées. Les écoliers ont repris leurs habitudes. Et dans la cour de récréation, tous masqués, ils se sont retrouvés.